Nadine. Oui. Mademoiselle Nadine, s'il vous plaît, sur scène. Je souffle ça. Mademoiselle Nadine, s'il vous plaît, sur scène. Ouais. On n'est pas beaucoup, alors faut faire plus de bruit. Je t'ai inscrit alors, Francis. C'est bien. Ces mots étaient des loups, son cœur en mille morceaux, il fallait pas l'énerver. Ses paroles comme des coups, ces mots n'étaient pas faux, mais dans ses entrailles bien cachées. Du courage pour faire face, elle en était remplie. Mais son âme miaulait sa détresse. Tout son corps était las. Pour les Kiloanis, elle avait des allures de peste. Sa voix parfois tremblait, ses mains se refermaient. Sans son, son sang jaillissait loin. Son âme se blottissait dans son corps ravagé. Puis un jour, des mots doux. Son cœur en fut surpris. Est-ce qu'il lui était destiné? Elle eut un doute fou, par terre ses miettes de cris devant un sentier éclairé. Accueillir le présent, apaiser le passé, un présent qu'elle s'est octroyé. Elle le croque à pleines dents, elle le déguste sans paix, ce bonheur qu'elle a procréé. Notre monde devient flou, les cyclones elle connaît. Devant un séisme attendu, elle se tient sur la proue d'un navire. Et savoir d'avoir fait.